Allez, vas-y, c'est bon, balance la vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va plus ou moins. Je suis en train de déprimer juste dans cet appartement. Il n'y a pas de vacances, il n'y a rien. Force à nous, tous ceux qui sont pas partis encore en vacances. Tenez bon, on va y avoir la rentrée. On va percer, après, on va partir en vacances. Bon, après, il y en a, ils vont me dire: ouais, mais tu pars déjà en vacances toute l'année, qu'est-ce que tu te plains? Oui, mais moi, c'est à choisir. Si tu pars toute l'année et tu pars pas en été, je préfère partir en été et je pars pas toute l'année. Je te dis la vérité. Quoi qu'il en soit, on n'est jamais content, ça c'est connu. Comme vous avez pu voir le titre de la vidéo, c'est sûr, ne pas partir en vacances. Je vous dis la vérité, j'ai de l'inspi. Étant donné que je le vis, ça fait un mois. Ça fuse à l'intérieur. Ah, vous êtes content, hein, vous êtes en vacances, tranquille, bronzette, et tonton Fad, il fait des vidéos, il charbonne pour vous faire plaisir, et il fait des dédicaces en plus. Ah ouais, ah, vous faites rien, vous juste vous cliquez sur le bouton et vous regardez. Abonne-toi alors, abonne-toi. En attendant, abonne-toi. Si tu regardais en plus, t'es pas abonné, alors la scandale. Donc pour commencer, grosse dédicace à Camille et Sophia du 91. Alors ça, c'est leur maman que j'ai croisée dans un supermarché. Elle m'a dit: s'il te plaît, est-ce que tu peux faire des dédicaces à ma fille? Donc je vous ai pas oublié. Grosse dédicace à Samantha et Awa Samati de Paris, à Noan Mouchemblet de Vichy, Yasmine El Masoudi de Strasbourg, Amel et Ouda de Grenoble, et pour finir, Rimesial de Barcelone. Merci la famille, profitez bien, bonne vacances. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Premier point, quand tu veux partir en vacances, faut s'y prendre à l'avance. Donc moi, dès janvier, je commence à mettre la pression. Maman, on fait quoi? Maman, on fait quoi? Tu pars. Bon, maman, sérieux, là, je suis en train de checker. Eh, on fait quoi? Là, on est en janvier. Faut commencer à regarder maintenant pour l'été, parce que sinon, on va arriver vite au mois de juin, on n'aura rien. Bah, cherche! Cherche! Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on fait à l'été? Cherche! Bah, dis-moi, tu veux aller où? Tu veux qu'on teste quelle destination? Ok, moi, je veux aller à Punta Cana. Quoi? Ah, j'ai vu les images. Punta Cana, je veux aller. Je sais où c'est même. Oui, c'est à côté de l'Inde. Oui, c'est bon. N'importe quoi, elle a dit c'est à côté de l'Inde. Eh, Punta Cana, c'est vers les îles et tout, République Dominicaine. Qu'est-ce que tu racontes là? T'as dit. Ouais, c'est bon, arrête de faire l'intelligence, s'il te plaît, tu m'énerves pas. Quand les je te porte. Ah, ok, tu veux vraiment aller là-bas? Bien, fais l'intelligence. Je regardais les prix, hein. Je te jure, si c'est bien, je te dis viens, on prend tout de suite. Ouais, bah tu mets en attente, mets en attente, tu mets favori et on garde ça de côté. Tu veux prendre quand? On prend bientôt. Vas-y, t'as pas trop faire ça, tu parles trop chinois. Il est déjà pris, c'est en janvier. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas partir demain. Après, les prix vont partir, ça va augmenter. Calme-toi, oui, calme-toi, ça va pas augmenter. Attends un petit peu. Ah, il me stresse déjà, il me stresse. Bah non, sérieusement, on fait quoi là cet été? Ouais, on est en mois de mars, on a toujours rien pris. Comment ça se passe? C'est pas de mars, qu'est-ce qu'il y a? T'avais dit Punta Cana, moi je vais checker Punta Cana. J'ai jamais dit Punta Cana, jamais dit Punta Cana, d'où tu sors ça? Non, non, moi je vais pas aller là-bas, moi je vais en Turquie. Voilà, maintenant il va aller en Turquie. Oui, ça va approcher de la France. Oui, j'aime bien. Ça veut tout dire. Arrête, gazé, s'il te plaît, il y a des gens qui partent même pas en vacances dans leur vie, ils ont jamais vu l'avion de la vie, ils ont jamais voyagé, ils restent que chez eux toute la vie. Oui, commence pas à me sortir ton pitch, ouais, il y a des gens qui partent pas dans leur vie. Mais pas pour regarder. On nous dit tous les jours, nous on peut, Hamdoulay, on peut. Autant y aller. Mais regarde les offres, regarde, c'est des trucs intéressants, tu mets en favori. Il y a des offres, il y a encore des offres, il y a encore des offres. Dernière offre, il reste deux places dans cette hôtel. C'est bien, tu mets de côté, la semaine prochaine on réserve. Tu vas prendre quand alors? La semaine prochaine, j'ai pas d'argent dans mon compte. T'as de l'argent? Non, alors tu attends la semaine prochaine. Tout le temps tu me dis la semaine prochaine, après tu me boycottes, tu zappes, je zappe et après on prend rien. Souli lui déjà. Je vais tout annuler là, bientôt j'annule tout. Semaine prochaine, moi je vais mettre un réveil carrément. On trompe carotte. Je lui déteste. Titi où? J'ai accompagné Abdel à l'aéroport. Il part en Martinique. Waouh, mais pour Martinique, hein, c'est trop bien. Ouais, c'est bien, ouais, ouais. Nous, au mois de juin, on est toujours pas bougé, on a rien de prévu, on va rien faire, on va pourrir. Ah, parce que c'est de ma faute, hein, c'est de ma faute, hein. Je te balance les verres, je t'ouvre la tête. Regarde l'Algérie, regarde, regarde Emy pour l'Algérie, lui, tu fermes la gueule, tu m'énerves, je vais te boxer. Ok, vas-y, je vais regarder pour l'Algérie, je vais regarder. 800 euros l'aller-retour. 800 euros. Tu veux y aller? Va t'allonger, 800 euros. Deux mois d'été, lui, hein. Arrête, je viens, je te tue. Tu viens en Égypte avec Baba? Quoi, tu vas en Égypte? Oui, j'ai fait partie. Bah vas-y, viens, on y va. Mais l'année prochaine. Vas-y, oh, il parle de l'année prochaine. Vas-y, parle même pas avec moi, toi. Voilà, les bleurs. Ouais, il est là, il met des feintes comme ça. Ta gueule. C'est exactement ce qui m'est arrivé cette année. Comme chaque année, bien sûr. On ne sait pas quoi faire, on n'a plus le temps, on peut plus partir, c'est mort, ça a doublé le prix. Surtout cette année. Ah, cette année, c'est cher. Ah, ils se touchent, blague, j'en parle même pas. Ça y est, ils ont crusté les Bahamas. Je vais même pas rentrer dans ce sujet. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre à l'avance. Si tu t'y prends pas à l'avance, c'est mort, oublie. Alors ça, c'est un truc à pas faire aussi, genre. Enfin, après, je conseille, hein, parce que ça m'est déjà arrivé. Bah là, demain, je pars à Saint-Tropez. Là, j'ai récupéré des billets. C'est pour ça que t'es en chant, tout ça. Tu... Ouais. Ah, tu me l'as pas dit. Là, je te l'ai dit. Ah, t'es pas obligé de le faire. Oh, je suis le mec choqué, là. Ouais, je calme-toi, frère. C'est Saint-Tropez. Hein. Saint-Tropez. Jure. Ah, vas-y, tu me dis. Tu pars à Saint-Tropez, tu me le dis même pas. Ça, tout de suite, on nous a porté l'œil. Tout de suite. Ni vacances, ni rien. Reste ici. Hey, maman, c'est comment? Je prends quoi comme valise? On part plus, voilà. L'appartement qu'on a loué à Saint-Tropez, annulé. C'est annulé. Voilà. Il n'y a plus d'appartement, plus de vacances. On a plus l'appartement. Va ranger tes affaires. Va préparer ni bagages, ni rien. J'ai vidé la valise. Là. Voilà, voilà, on était censé partir en vacances. C'est annulé. Voilà. J'en ai marre. J'en ai marre. Je suis parti même tout seul. Mais arrête de tanker comme ça. C'est qui ça? C'est qui? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ça va ou pas?
Ouais, faut pas de ma gueule par contre, j'aime pas ça. Pourquoi? Ouais, tu sais très bien que je suis pas en vacances là. Je pensais que vous étiez parti à Saint-Tropez. Non, c'est trempé, y'a pas de Saint-Tropez, y'a rien du tout. Il est pas là? Si, il est là, il déprime depuis tout à l'heure. Parle avec lui, moi j'en ai marre, je vais le boxer avec lui. Mais tu veux quoi toi? Pourquoi t'es venu en fait? Tout ça, mais il veut voir si je suis vraiment en vacances. Ah. Bah voilà, je suis pas en vacances, je suis là. Il faut jamais dire ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, alors que toi t'as rien réservé encore. Automatiquement, on porte l'œil, ça tombe à l'eau. Ah ouais, moi je suis très superstitieux, hein. Pour moi, je vous jure que c'est ça. Bref, vous savez quoi? Je vais vous montrer la routine qu'on vit actuellement. C'est la routine, qu'est-ce que tu fais? On fait tous les jours la même chose, j'en peux plus. Pas de vacances, y'a pas de vacances, tu vas pas mourir, hein? J'en ai marre moi, c'est le pire été de ma vie. Viens, on fait quelque chose. Y'a pas, on a regardé si cher, la dernière minute si cher. Vas-y, regarde, je te jure, regarde, des fois y'a des trucs pas chers. Si cher, regardez quand même, tu m'as saoulé, il m'a pourri le cerveau. On va regarder. Vas-y maman, regarde s'il te plaît, j'espère en trop. Il me laisse pas tranquille, il me laisse pas tranquille. Graisse, 800 euros. Jamais je paye 800 euros l'année, je suis riche. L'Espagne, 200 euros. L'Espagne, 200 euros. Oui. L'Espagne, 200 euros. Ouais, je vais regarder. Vas-y, check, regarde si tu peux le prendre tout de suite parce que c'est des offres, ça part direct. C'est bon. Fais valider, voilà, c'est bon, t'as confirmé. Attention. C'est bon. Attends, je regarde juste au port de quel aéroport et combien de bagages on a le droit. Mais non, tout ça. Ils sont où? Elle a pris que pour une personne. Pourquoi elle a fait ça? Ça, c'est que pour une personne. Ouais, elle fait de la vie comme ça. Maman, viens ici. Maman. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est comment là? T'as fait quoi là? Là, t'as pris que pour une personne. Je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais c'est une catastrophe. Non, j'ai pris pour tout le monde. Qu'est-ce que tu racontes là? On fait comment nous? J'ai rien à foutre, moi, mon billet. Il est pas si joli. C'est ça pour ça. Bon, vacances. Je suis choqué. Elle a mis un couteau dans le dos, je suis choqué. Personne qui peut aller, toute la famille oublie, c'est d'ailleurs. À la dernière minute, c'est mort. Tu peux pas, trop cher. Alors, les parents qui font ce genre de choses, le respect dans tout ça, il est où? Tire. Vénère. Bon, j'ai un délicat de vacances pour que vous révisiez là parce que là, que des cassos. Là, il est catastrophique. Tenez, tiens. Tu nous donnes ça? Il termine tous les exercices de A à Z. Des cahiers de vacances. Ah, c'est une catastrophe. Mais en fait, quand tu donnes des cahiers de vacances, c'est quand on part vraiment en vacances, tu vois. Mérite quand même d'aller à la mer. Là, on peut faire les cahiers de vacances. Tu mérites la merde, oui. Aucun mérite. Tu vas venir travailler les deux. Merci. Alors, en vacances, quand il ramène 17, 18 de moyenne, 11, 12, 10 de moyenne, catastrophe. Ah, parce que maintenant, on part en vacances en fonction des résultats. Ah, ok, d'accord, je savais pas. Ouais, dépasser de justesse, y'a pas de vacances. Des cahiers de vacances, comme ça, tu perds pas un petit peu parce que là, c'est une catastrophe. Je te dis, termine, t'as 2 semaines pour terminer le cahier. 2 semaines pour faire deux, ça. Je vous boxe, hein, c'est ça, ouais, c'est ça. Les pires vacances de ma vie. Gomme suicidée. C'est pas possible. Tu peux pas m'acheter un cahier de vacances, me dire de faire un cahier de vacances ici chez WAM, dans ma maison, sur mon lit superposé. C'est mort, je le fais pas. Je peux pas supporter. C'est un cahier de vacances, donc t'es censé l'utiliser quand tu pars en vacances, pas quand tu restes chez WAM. Tu jures, y'a que ma mère qui faisait des trucs comme ça. Dites-moi en commentaire si vos parents ils font ça. En plus, ça te met la pression. Ah, je sais que tu l'as pas ouvert. Ah, tu l'as pas ouvert. Ah, je l'ai acheté pour rien, tu l'as pas ouvert. Ah, tu vas arriver à la rentrée, tu vas être tout bête. Le pire, je crois, c'est ça. Quand la personne utilise pour passer ses vacances. Je sais pas si vous avez capté, vous allez voir. J'arrive. C'est ma sœur, elle vit d'Algérie, c'est ma sœur. Ma sœur, rentre, bienvenue. Ça va? Bien. Rentre, va t'installer. Tu pues de la gueule, je vais te donner quelque chose à boire, ça va pas du tout. Ah, ça fait plaisir, je te vois. Tiens, rafraîchis ta bouche, le chewing-gum. Oui. Allez, dire bonjour à ta tante, elle est arrivée d'Algérie, allez. Allez, le clochard, je les déteste. Oh, je fais pas les voir. Ouais, bien frère, c'est les vacances d'été, reste chez Watt. Tu sais très bien qu'on veut partir, nous. Là, on va être bloqué ici. Salut. Si, vous, ça fait grand temps, vous avez passé le permis? Ouais, j'ai mon permis, ouais. Oh, t'as grand temps, t'as passé le permis? Oui, moi, je l'ai eu du premier. Comment je vais pouvoir aller à la Tour Eiffel? Vous allez me ramener à la Tour Eiffel. Quelle Tour Eiffel? Vas-y, elle va commencer à faire la touristique. Je me retrouve à faire le taxi et le guide touristique. Tais-toi là, arrête de crier là. Tu crées pas sur ma salle, là. Tu crées Youyou là.
Fous de seul. Tu peux changer la musique? Non, tu changes pas la musique, j'écoute ça. Voilà. Fous de seul. La tour Eiffel. Je vais acheter une crêpe. Ah, je crois que c'est Bastille, ma sœur. On part. On est à Bastille. Tu racontes, c'est pas Bastille, c'est Place des Victoires. On part. Je te boxe, ça c'est pas Bastille, ça. Ça c'est pas Bastille. Je vous laisse avec vous, Bastille. Il y a pas les glaces, la crème. Top les racks. Je me prends une photo ici. Mais j'en ai marre, moi. Ah, une photo, ferme-la, tu te boxes ici, non. Allez, je t'envoie. On la tête, c'est la tour Eiffel. Non. Mais 3 centimes, moi, je sors toutes les photos. Allez, on y va. Non mais ça c'est totalement manque de respect, c'est genre je suis guide touristique moi. Genre tu viens chez WAM, moi je t'emmène en été, tu profites tout ça et moi je pars pas, je fais rien, je suis ton guide. Venez pas chez WAM en été, surtout si je pars pas. Alors là ce que vous allez voir là c'est le pire. Ah ça pour moi c'est des couteaux dans le dos direct. Hein? Combien de chaussettes tu prends? J'ai pas trop. Vite! Éteins-moi cette plaie, je vais te baffer! Pourquoi tu cries? On va préparer tes affaires, tu pars dans 10 minutes! La crème solaire et un dentifrice parce que tu putes la gueule du matin, tu vas gazer les enfants là-bas, ça est choquant! Mais putain, non, je cherche. Pourquoi il prépare la valise? Il va en colonie! Il part en colonie, oui! Il est où ton problème? Choqué! Ah voilà, il commence à me saouler! Voilà, il fait choquer, il va me saouler! Ah là, vraiment, ça se fait pas! Oh, je suis choqué! Ah, mais là, vous m'avez mis un couteau dans le dos là! Là, c'est un couteau dans le dos! Comment ça se fait, lui, part en colonie? Pourquoi moi, quand j'étais petit, je partais pas? Tu voulais pas m'envoyer en colonie? Tu voulais même pas m'envoyer avec mes amis? Tu voulais jamais je parte en colonie? Ouais, je te laissais pas, pourquoi? Parce que tu es un calfos! On va te renvoyer, toi, avec les gens! Tu vas m'afficher! Moi, je t'aurais foutu la honte! Pipi dans les lits, caca dans les lits, genre, tu vas foutre la merde! N'importe quoi! Non, tu dis n'importe quoi! Non, c'est faux! Vas-y, c'est bon, allez, casse-toi, va là-bas, s'il te plaît, casse-toi, va là-bas! Ouais, y'a pas de soucis, vas-y, eh, c'est pas grave! On va faire le fragile ici! Le miski, c'est pas grave! Dégage! Ouais, je suis victime, ouais, je fais le bouffon, je suis miski! C'est bon, toi! Tiens, tu prends ça avec toi? Juste, ils ont dit il fallait 100 euros d'argent de poche. Et pourquoi ça? Pour les souvenirs. Tu veux pas un chéquier aussi? Je signe tous les chèques et tu mets le montant que tu veux? Déjà, tu pars en colonie, en plus, tu veux de l'argent avec. Arrête, s'il te plaît, pars là parce que je te boxe ta tête, elle rentre dans le bureau. D'accord. Allez, tu te casses. Ramène un souvenir. Ouais, vas-y, je te ramènerai des souvenirs. Des volets, bien sûr, hein, vu que j'ai pas d'argent, hein. Radine, va. Tu voles un truc là-bas, j'arrive, je vais tout casser, tu vois. Boxe sur place. Je te le dis. Bon débarras, je suis débarrassé de lui, Inch'Allah, il revient plus. Tu te sens trahi? Genre toi, tu restes ici et l'autre, il se barre. Moi, quand j'étais petit, j'avais pas le droit d'y aller. Ça se fait parce que les colonies, c'était chiant, mec. Je me souviens, j'ai fait une colonie, je suis parti au Canada, vous savez, j'ai payé combien? Devinez, rien. Dites-moi en commentaire. 14 jours, devinez, j'ai payé combien? Je vais vous dire, c'est entre combien et combien? Entre 0 et 500. Et puis voilà, les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Kiffez bien votre mois d'août. Aussi, je souhaite une bonne fête à tous les musulmans qui vont fêter l'Aïd aussi. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous êtes parti en vacances ou pas. N'oublie pas, comme d'hab, de t'abonner aussi à ma chaîne YouTube juste ici. Je vous kiffe, merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.